Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je m'appelle Razika. C'est parti pour un petit tour à Stokomanie de Cervon. Les suspensions, elles sont à 34,99€, donc en noir et blanc. Alors je vous en avais montré une la dernière fois, mais elle n'avait pas de vannerie comme ça, donc elle était comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'aime beaucoup, je suis attirée par ce genre de suspensions. Je les trouve très jolies, elles sont grandes, mais en même temps, elles sont, enfin, comment vous expliquer, elles sont pas chargées en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Après, je me demande si dans ma pièce, ça va pas être trop grand. Il faut que vraiment j'y réfléchisse. Parce qu'actuellement, moi, j'ai une suspension en vannerie comme ça. Mais je la trouve trop petite. C'est l'original, cette table, en fait. Fausse horloge, parce qu'il en existe avec une horloge qui marche. Mais celle-ci, c'est juste le dessin. 12,99€. Bougeoir en métal noir. Donc, en ce moment, on voit beaucoup de bougeoirs, puisque dès qu'approche les fêtes de fin d'année, on sait qu'on va en disposer un dans pas mal de décorations. Donc là, ils sont en noir à 8,99€. On peut y mettre, vous voyez, 6 bougies. Petite boîte totalement transparente avec une petite déco dorée, 5,99€. Alors j'ai vu qu'elle existait aussi en argenté. Porte-bijoux avec le plateau miroir pour y mettre ses boucles d'oreilles, ses colliers, ses petits bracelets. 7,99€. On a d'autres modèles, si vous préférez le bois. 4,99€. Donc avec le plateau en bois. Si vous aimez le doré, on a celui-là, donc qui se replie un petit peu comme un... Ah non, il se replie pas. Je pensais que ça allait se replier. Alors peut-être que ça se replie. Voilà, derrière comme ça. Donc ça fait un sort de paravent, 5,99€. Bon après, il n'y a pas d'intérêt à le replier puisqu'on va y mettre des bougies, des bijoux. Il n'y a pas de bougies, hein, des bijoux. Ce qu'on voit aussi beaucoup en fête de fin d'année, c'est un calendrier perpétuel. Donc on en a plusieurs, on a celui-là, 6,99€. On a ce style-là avec les chiffres en métal, j'aime beaucoup celui-là, 4,99€. Et puis on en a un autre comme ça, à 5,99€. Le petit miroir en métal noir et puis le petit plateau sur lequel on peut y déposer ces petits bijoux, 5,99€. La petite tirelire, 2,99€. Alors c'est dommage, elle est en carton et il n'y en a aucun d'ouvert, donc je ne peux pas vous la montrer. Ah, c'est une petite biche comme ça. 2,99€, donc très belle déco pour les enfants. Sinon on a celle-ci à 4,99€. La petite commode avec les 4 tiroirs, 8,99€. Alors j'ai vu qu'on avait une autre couleur. Voilà, elle existe aussi en noir, avec les pompons noirs. C'est une petite nouveauté. 4,99€, petit miroir, avec le petit bac là pour mettre ses petites, je vois, ses petits bijoux. Les fans de fruits, en ce moment on est beaucoup tendance pomme, mais on peut être aussi ananas. 4,99€ en céramique, comme ça il y a l'argenté et puis il y a le doré. Puis il y a aussi la cerise grignote, je crois, la grande cerise. Tiens, le petit plateau à pied ou mini tabouret, vous appelez ça comme vous voulez, 4,99€. J'ai trouvé la cachette des cerises parce que je n'avais pas vu le prix, 19,99€. Alors ça va dépendre de l'endroit où vous allez la mettre, mais moi je la vois Bordeaux. Mais c'est vrai qu'avec du coup peut-être la lumière de ma caméra, elle fait rouge un peu clair. Plante artificielle. Donc il y a gris et il y a noir. Les manteaux en fausse fourrure avec capuche. 39,99€, c'est la marque Mime. Donc on a trois couleurs. Et noir. Calendrier de l'Avent Lint. Et je vois aussi qu'il y a des After Eight menthe et fraise. Alors je connaissais pas du tout, je connaissais menthe, mais je savais pas qu'ils en faisaient à la fraise, tiens. Oh, un petit lot de bougies parfumées, trop mignon les petits verres. Alors comme je vous disais, ça peut être sympa aussi pendant un repas. D'en mettre un pour chaque convive.
à côté de son assiette, à côté, puis il peut repartir avec ou l'allumer pendant la soirée. 9,99 biscuits, senteur biscuits épicés. Il y en a 6, il y en a 8. Hein. Et puis si vous aimez le parfum biscuit épicé, on a ces grandes bougies. 5,99€. Crème pour les mains et les ongles à la camomille, à la lavande et à la vanille. 2,99€. Tiens, on a aussi les petits baumes à lèvres à 1,99€. Donc il y a fraises, melon et noix de coco. Bougie botanique, ananas, et je vois rosemary, 3,99€. Rosemary, c'est romarin, je crois. Romarin de Tunisie. Je regarde s'il y a d'autres senteurs. Non, ça a l'air d'être le même parfum pour tous. Elle est trop jolie, cette bougie. Musc blanc, 3,99€. Et trop beau le contenant. Oh, celle-ci aussi, elle est originale en forme de volière. Ambre. 3,99€. Celle-ci aussi avec le couvercle en liège. Rose éternelle faite à partir de cire de soja. 2,99€. La volière, on l'a aussi blanche à la vanille. On a Jacadir allume la flamme. Ok, 3,99€. Alors c'est marrant ce jeu, je pense que vous le connaissez tous, hein. Jacadir, ceux qui ne connaissent pas, donc les enfants, il faut être plusieurs. Et donc quand on dit Jacadir, il faut exécuter, et quand on dit il a dit, il ne faut pas exécuter. Donc si on dit par exemple il a dit allume la lumière et que quelqu'un allume la lumière, et ben, il a perdu. Je suis désolée, je réexplique, je me doute que vous êtes beaucoup à connaître, mais je me dis, on ne sait jamais. 3,99€, donc celui-là, Jacadir, fais-moi fondre. 3,99€ à la vanille. Alors je regarde, il n'y a que vanille et cachemire du coup. Alors celle-ci, je vous l'avais déjà montrée, donc Domaine Rosé Méridional, senteur bois de santal. Un petit peu, je pense, pour les amateurs de vin. Donc 5,99€. On a aussi un lot de trois petites bougies comme ça, 4,99€. Donc toutes les trois sont à la fleur de vanille. On a celle-ci. Et on a aussi celle-ci, donc toutes les trois sont parfums sorbet. Alors pareil, hein, c'est un petit lot qu'on peut acheter, puis après dissocier. Alors pourquoi pas après faire repartir chaque convive, je parle en famille, hein, un sac par famille, dans un petit sac cadeau, ça peut être sympa d'offrir une petite bougie comme ça. J'avais commencé à faire un petit tour dans les vêtements, puis comme je me suis retournée, il y avait encore de la déco. Alors c'est un cardigan maille popcorn, 19,99€. Donc voilà, donc on a cette couleur et puis on a aussi noir et blanc, et la matière elle est très agréable. Alors je comprends pourquoi ça s'appelle popcorn, puisqu'en fait ça fait comme des petites bulles là, des petits grains de popcorn, et on l'a aussi de cette couleur. 19,99€ de la marque Amara Ria. Véritable pâte au gaz, 29,99€. Le t-shirt Wonder Woman, 7,99€. Alors comme je vous l'explique à chaque fois, Tokomanie, il y a plein d'arrivages de vêtements très réguliers, donc il faut vraiment venir régulièrement pour voir les nouveaux arrivages. Et quand vous venez là, il faut prendre du temps parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Snoopy, Christine, je pense à toi, 7,99€, donc je présente du Snoopy. En ce moment, la tendance, c'est les robes pull. On a cette robe pull, donc la marque La City, 19,99€. On l'a en marron, mais on l'a aussi en noir. On a aussi cette robe longue style suite à capuche, 19,99€. On a aussi celle-ci, donc de la gamme Lola, 12,99€. Avec la capuche. Et on l'a en noir et en gris. On a aussi celle-ci, c'est un peu comme celle d'avant, hein, donc de la marque Lola, 19,99€. Allez, un petit tour dans les sacs à main de la marque Rodier, 14,99€. On les a aussi en bleu. Et on les a aussi, j'ai vu, du rose.
Si vous aimez le rose, il y a celui-là qui est sympa. 14,99€. On a ces sacs Toriente, 19,99€. On a ceux-là à 19,99€. Georges Resch. On a la City à 19,99€. Et on l'a aussi en noir. Bon, celui-là, il est sympa aussi, avec un mode besace comme ça. 19,99€. Rodier, 19,99€. Manoukian, 19,99€. On l'a de cette couleur et aussi en noir. Et le petit sac rose que je vous ai montré existe aussi en noir. Donc à chaque fois, dedans, il y a bien sûr la bandoulière. On a ce style aussi Manoukian. Le sac à dos. Alors moi qui suis très sac à dos, il est un petit peu grand, dommage. 19,99€ le sac à dos. Lulu Castagnette, donc on l'a en bleu, en noir, en moutarde et en rouge. Alors dans ma dernière vidéo, je vous ai montré plein de manteaux de la marque Aigle. Il y a eu un gros arrivage et c'est vrai que en ayant reparlé après de cette marque autour de moi, c'est vrai que c'est une très bonne marque. C'est des vêtements, enfin des doudounes et tout ça qui tiennent vraiment chaud. Moi, il y a quelques années, j'avais connu Aigle, c'était plutôt dans les magasins spécialisés de sport. Et il y a vraiment plusieurs modèles. Voilà, il y a vraiment plusieurs styles. Donc les doudounes sont à 69€, il me semble. Je ne sais plus si c'est 69 ou 59, je ne me rappelle plus les prix. 69,99€. Ce genre de manteau, 14,99€. Je suis étonnée du prix. J'ai bien mis le point sur 14,99€ parce que franchement je pensais qu'il allait être beaucoup plus cher. 14,99€. On a cette veste aussi, donc 14,99€. Tiens, ça j'avais pas vu, il me semble, la dernière fois. 59€. Ah si, je l'ai vu, 59,95€. Sauvetage en direct. Ça, c'est rigolo ça. En fait, c'est une veste en jean. Puis à l'intérieur, une petite veste en sorte de fausse fourrure. Je ne sais pas comment ce que ça doit porter. Ah oui, on voit que le col comme ça, en fait. Donc la marque Caporal, 59,99€. On a ce manteau donc de la marque Caporal, 59,99€. Vous voyez, vraiment, on a plein de styles de modèles, de styles de et de couleurs au niveau des doudounes. Puis après, le prix, ça va être par rapport à la marque. Les sacs à dos de Rotenis, 19,99€. Non, c'est les valises qui sont à 19,99€. Les sacs à dos, les sacs sont à 5,99€. Et les valises comme ça, souples, sont à 19,99€. Un set de 4 petites trousses, 9,99€. Je finis par le côté homme, parce que c'est vrai que des fois, quand je montre des vêtements féminins, on me dit « oui, mais nous les hommes ». Donc je vous montre un petit peu ce qu'on veut trouver côté manteau. Les vestments, non, il est grand, mais alors du coup, le prix, 79,99€. Les doudounes Caporal, 49,99€. Puis après, on a des vestes comme ça. Alors celle-ci, elle est jolie, j'aime bien celle-là. Alors Redskin, forcément, 149,99€. Donc c'est une Redskin. Alors celle-ci, c'est une Gentleman Farmer, 79,99€. Vous voyez, on a pas mal de choix aussi côté homme. On finit par celui-là, 39,99€. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.